Saviez-vous que le sport à haut niveau peut avoir des conséquences sur la santé de nos sportives? Avez-vous déjà entendu parler de la triade de la sportive ou de son appellation récente, le syndrome Red S? On fait le point aujourd'hui dans le cadre de notre playlist Sport au féminin. Bienvenue dans Prépa et Performance. L'activité physique est essentielle pour conserver une santé optimale. Je vais vous répéter un message trop peu souvent entendu, faites du sport. Que ce soit pour votre santé cardiovasculaire, c'est-à-dire vos capacités cardiaques, pour votre santé osseuse, votre système neuromusculaire, pour diminuer votre risque de cancer, nous en avions déjà discuté dans une précédente vidéo, ou encore pour garder une santé cognitive optimale, c'est-à-dire comment ça se passe là-haut, faites du sport. Mais il arrive que l'activité physique et l'alimentation de la sportive ne soient plus en adéquation. Et ce phénomène peut avoir pour conséquence l'apparition de symptômes qui peuvent mettre en péril la santé de nos athlètes. Dans les années 1970, certains articles scientifiques mettaient en avant une différence d'apparition de l'âge des premières règles chez les sportives par rapport aux sportives amatrices et aux non-sportives. D'autres publications pointaient du doigt une prévalence plus importante des troubles du cycle chez les sportives. Ces résultats ont fait naître des interrogations chez les chercheurs et les médecins. En 1992, le terme « triade de la sportive » apparaît pour la première fois dans l'American College of Sports Medicine, repris en 2005 par le Comité international olympique. Cette triade regroupe trois entités. D'abord, les troubles du comportement alimentaire liés à la pratique sportive en excès et à la pression qu'ont les athlètes, amenant un déficit énergétique. Ensuite, ce déficit énergétique crée des troubles du cycle menstruel jusqu'à l'aménorrhée, c'est-à-dire l'absence de règles. Cette absence de règles a pour conséquence une diminution des sécrétions d'œstrogènes, la principale hormone féminine, dont nous avions parlé dans notre premier épisode sur le sport féminin. Enfin, cette hypoœstrogénie a pour conséquence une diminution de la densité de l'os, pouvant aller jusqu'à l'ostéoporose. À terme, on augmente donc le risque de fracture de fatigue. Cette triade de la sportive a été renommée en 2014 par le Comité international olympique pour l'inclure dans quelque chose de plus grand, le syndrome Red S. Ce terme signifie syndrome de déficit énergétique relatif lié au sport. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de symptômes qui découle d'une faible disponibilité énergétique. Chez les sportives, elle peut être expliquée par deux choses. Un apport nutritionnel trop peu conséquent et ou inadapté, ou une dépense énergétique trop importante. Bien souvent, ces deux causes sont intimement liées. La disponibilité énergétique est définie comme la quantité d'énergie apportée par l'alimentation moins l'énergie dépensée, divisée par la masse maigre disponible. Elle s'exprime en kilocalories par kilo de masse maigre par jour. De façon générale, on considère qu'une femme adulte en bonne santé devrait avoir une disponibilité énergétique aux alentours de 45 kilocalories par kilo de masse maigre par jour. La faible disponibilité énergétique est une inadéquation entre l'apport énergétique d'une sportive, c'est-à-dire son alimentation, et l'énergie dépensée. L'énergie disponible va alors se concentrer sur les fonctions vitales du corps et délaisser le reste. On considère ce phénomène lorsque notre disponibilité énergétique est inférieure à 30 kilocalories par kilo de masse maigre par jour. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas forcément de trouble du comportement alimentaire derrière cette faible disponibilité énergétique. Parfois, la sportive mange en quantité suffisante, mais la qualité de l'assiette n'est pas suffisante ou non adaptée à sa pratique sportive. Maintenant, quelles vont être les conséquences de cette faible disponibilité énergétique sur notre santé? À travers ce schéma, nous pouvons voir l'ensemble de ces conséquences. Il y aura donc une répercussion au niveau des cycles et de la santé osseuse comme expliqué précédemment, mais aussi sur la santé immunologique, sur la santé gastro-intestinale, sur la croissance et le développement, le système endocrinien, la santé hématologique ou encore cardiovasculaire. Vous remarquerez qu'il n'y a qu'une seule double flèche, la santé psychologique. C'est le seul facteur qui peut être soit la conséquence, soit à l'origine du syndrome Red S. À travers cet aspect multifactoriel, vous comprenez que c'est un phénomène très complexe. Je vais tenter de vous le résumer le plus simplement possible. Et comme toujours, si vous souhaitez aller plus loin, je vous mets dans la description
les articles scientifiques en lien avec le sujet. Tout d'abord, la sécrétion de nos différentes hormones vont être impactées par la faible disponibilité énergétique. Par exemple, concernant la régulation de notre appétit, la sécrétion de leptine va être impactée. C'est une hormone qui est dite anorexigène. En clair, elle gère la sensation de satiété. Elle est sécrétée par les adipocytes, c'est-à-dire les cellules présentes dans la masse grasse. Lors d'un syndrome RED-S, puisque la masse grasse est basse, la sécrétion de leptine va être diminuée. De plus, la faible disponibilité énergétique va jouer sur le stress, avec une augmentation de la sécrétion de cortisol par les glandes surrénales. L'augmentation de la cortisolémie et la diminution de la leptinémie vont induire des troubles de la sécrétion de GnRH. La GnRH est la neurohormone qui contrôle l'axe gonadotrope, c'est-à-dire l'axe féminin. Nous en avions discuté dans notre première vidéo de la playlist sur le cycle menstruel. Par sa perturbation, on va faire face à une diminution de la sécrétion de la FSH et de la LH. Or, ce sont ces deux hormones qui vont réguler les cycles. Sans LH et sans FSH, la phase folliculaire s'allonge, les follicules ovariens ne se développent pas. Il n'y a pas d'ovulation ou alors une ovulation de très mauvaise qualité. Également, les sécrétions d'œstrogène et de progestérone vont s'effondrer. Il y aura donc des cycles très longs, voire absents, avec parfois des petits saignements de façon très irrégulière que nous appelons des spottings. La modification de la sécrétion d'œstrogène, de leptine et de cortisol va également avoir des conséquences au niveau de la santé osseuse. On va faire face à une altération globale de la microarchitecture osseuse. L'os est fragilisé, les petites lésions sont moins bien réparées. Dans les cas les plus importants, on peut avoir une diminution de la densité osseuse. En clair, ça va augmenter drastiquement le risque de blessure et de fractures de fatigue. Également, la faible disponibilité peut avoir des conséquences cardiovasculaires. On observe des profils lipidiques perturbés, c'est-à-dire un métabolisme du cholestérol modifié. Dans les cas de déficit énergétique sévère avec une anorexie mentale, on peut même avoir des bradycardies sévères, des hypotensions artérielles, voire des anomalies des valves cardiaques. Au niveau de l'immunité maintenant, une étude japonaise a mis en évidence une diminution de la sécrétion d'immunoglobuline A chez les sportives en aménorrhée versus les sportives avec des cycles normaux. La sécrétion d'anticorps était donc diminuée chez les femmes qui n'avaient pas leurs règles. On comprend donc que le risque de maladie est accru. Ces résultats sont confirmés par une étude australienne. Celle-ci a mis en avant une augmentation du risque de maladie infectieuse chez les sportives en aménorrhée versus les sportives avec des cycles normaux. Ces risques étaient accrus au niveau des voies respiratoires et du système digestif. De plus, il a été retrouvé une influence négative de la faible disponibilité énergétique sur tout le tractus digestif. Par exemple, il a été mis en avant une augmentation de la prévalence de la constipation, de l'accélération du transit et même de troubles sphinctériens chez des sportives avec une faible disponibilité énergétique. Les recherches sur le sujet sont loin d'être terminées puisqu'elles sont toujours mal comprises à ce jour. Étonnamment, les conséquences sur la performance de la faible disponibilité énergétique sont très peu étudiées dans la littérature pour le moment. Pourtant, les quelques études réalisées sur le sujet sont pour le moins parlantes. Une étude réalisée en Amérique du Nord sur des nageuses a observé le résultat de 12 semaines d'entraînement chez des pratiquantes sans troubles du cycle versus des pratiquantes aménorrhéiques. Les résultats sont sans appel puisqu'on retrouve une progression de 8% chez la population sans troubles du cycle. Comparativement, on observe une diminution de la performance de 10% chez les nageuses en aménorrhée. D'autres travaux en Suède et au Danemark sur des coureuses d'endurance n'ont pas montré de différence significative au niveau du VO2 max chez les patientes en aménorrhée versus les patientes sans troubles du cycle. Par contre, les sportives aménorrhéiques présentaient une performance neuromusculaire inférieure et un temps de réaction augmenté. On peut penser qu'une faible disponibilité énergétique chronique peut nuire à la performance sportive via plusieurs mécanismes indirects. Par exemple, à travers une récupération altérée, et donc une diminution des capacités physiques, psychologiques et mentales. Également, la qualité de l'entraînement peut être impactée avec une altération de la fonction musculaire optimale et donc un risque accru de blessure. Le retour à la compétition sera plus long, etc. À travers l'ensemble de ces informations, que peut-on faire? Il faut d'abord comprendre que toute la difficulté du syndrome RED-S réside dans son dépistage. Certains sports sont bien sûr plus à risque que d'autres. Les sports à catégorie de poids, comme les sports de combat, vont être plus à même de développer un syndrome RED-S.
On retrouve également ce surrisque dans les sports esthétiques comme la gymnastique rythmique, le patinage artistique, la natation synchronisée ou encore le plongeon ou la danse classique. Enfin, les sports d'endurance sont aussi propices à développer un syndrome Red S puisque généralement regardant sur l'alimentation, comme en marathon, en triathlon, en cyclisme ou en natation. Mais si le syndrome Red S est plus fréquent chez les sportives avec un IMC bas, il peut tout à fait se développer avec un IMC normal. En outre, la prise en charge est a priori assez logique et simple. Corriger la cause de la faible disponibilité énergétique. Par un suivi, on réadaptera les apports caloriques d'un côté et on diminuera l'activité physique de l'autre. Le rééquilibrage est plutôt facile si les restrictions caloriques sont involontaires. Par contre, il sera plus compliqué s'il y a un véritable trouble alimentaire derrière. L'optimisation de la disponibilité énergétique va restaurer l'axe féminin et tous les autres systèmes affectés. Cependant, toutes ces répercussions ne vont pas revenir à la normale du jour au lendemain. S'il ne faut que quelques jours ou quelques semaines pour restaurer une disponibilité énergétique suffisante, il faudra en revanche plusieurs mois, voire plusieurs années, pour restaurer des cycles normaux et encore plus longtemps pour retrouver une bonne santé osseuse. On comprend donc que cette prise en charge doit être faite sous l'égide d'une équipe médicale et paramédical qui saura vous aider et vous diriger. En conclusion, on peut dire que le syndrome Red S est lié à une faible disponibilité énergétique lors d'une activité physique importante. Il peut avoir de nombreuses répercussions sur la santé et sur la performance et doit donc être pris en charge le plus précocement possible. Ce syndrome Red S a été étudié majoritairement chez la femme, mais il existe aussi chez l'homme, ce qui nécessitera de nouvelles études pour pouvoir vous en parler. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur le syndrome Red S aura pu vous intéresser. Comme d'habitude, je vous laisse liker, commenter et partager cette vidéo pour nous donner plus de visibilité et développer la chaîne. Je vous retrouve bientôt pour du contenu sport féminin, et d'ici là, entraînez-vous bien, salut! Une augmentation du risque de maladies infectieuses. Au revoir.